Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic The Gathering. Je vais ouvrir ce petit coffret, dans cette petite boîte, qui contient trois boosters de draft de l'édition Le Seigneur des Anneaux, Chronique de la Terre du Milieu. Donc c'est un petit coffret qu'on peut trouver autour de 16 euros dans le commerce et pas de partout. C'est ça qui est intéressant. Et ce qui est étonnant, c'est que même les boosters draft à l'unité, on peut les trouver à 7 euros, voire 6-7 euros. Et que là, ce petit coffret, en fait, il y en a trois dedans. Pour le prix seulement de 16 euros. Enfin, seulement, voilà. Donc, moi, je trouve que c'est super intéressant. Donc, je vais vous faire l'ouverture. On va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, je vous ferai aussi une vidéo d'analyse et de stats, comme pour les autres produits. C'est pas souvent que j'achète des boosters dans des coffrets comme ça, des boosters de draft. Je crois que la dernière fois, c'était Horizon du Moderne, où j'avais pu en récupérer un. Mais là, bon, c'est vrai que c'est intéressant. 15 euros, c'est presque moins cher, parce que ça fait 5,30 € le booster. Voilà, donc... vous multipliez, ça fait le prix de la boîte entière, mais au moins vous en avez que 3, ça fait un petit budget. Ça vous permet d'avoir 3 boosters de draft. Alors voilà, les amis. Allez, on va ouvrir le premier booster de draft et découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Alors. Alors, les boosters de draft, hein, c'est aussi intéressant pour les collectionneurs. Alors, cerné par les orques. Fureur de Gimli. Rafale de flèches. Nombreuses séparations. J'ai eu plein de fois cet extra. J'ai eu plein de fois. Navigateur des Havres Gris. Messager du Gondor. Fermière du Brandevin. Alors, je vous dirais, avec 3 boosters, combien on a de cartes différentes aussi. Hein. Pour fendre l'impérissable. Le souffle noir. Meneldor, sauveur rapide. Grishnak, instigateur effronté. Legolas, compteur de mort, on sait jamais, hein. C'est intéressant. Faramir, prince d'Ithilien. Oh! Ah bah alors là, les amis, oh! Oh! Oh, Sauron, le ténèbre ténébreux, le seigneur ténébreux, les amis, en version foil. Oh là 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 là. Sauron en version foil, les amis. Alors là, je mets de côté celle-là. Oh! Exceptionnel, exceptionnel. Alors juste, bah là, je crois que c'est plus que le prix du... plus que le prix de la boîte. Oh, incroyable. Un terrain plein en version textless et orc armé en jeton. Allez, deuxième booster de draft. Oh, alors là, juste ce petit coffret, là, les amis, j'y crois pas. Incroyable. Pour 16 euros, je crois que le prix de la carte, elle est plus élevée. Faucheuse Touque. Commune. Terrasse de la Comté. Nœud de Hitlin. Fracture de la Communauté. Nombreuses séparations, trahison d'Isengard, cavalier de Westfold, chien de garde des champignons, maître Lance Aradrim, patrouille de Ciri Tungol, rangée d'Undin, marche de la porte noire, rivalité amicale, appel de l'anneau. Alors il aurait manqué plus que j'ai la rare à côté à plus de 30 euros. Alors ça aurait été énormissime. Un terrain, forêt, Texless, et un anneau. Il y a un terrain Texless dans. Tous les. Alors, faire attention. Ah oui, il y a un trait là, les amis. Hop, la carte se plie, c'est ce qui me semblait. Faites attention, parce que sinon, vous risquez de la plier, de la déchirer. Bon, ouais, je crois que j'ai ma rentabilité pour ce produit. Alors là, bah, c'est un coup de bol par contre. Là. Enfiler l'anneau. Dernier et troisième booster. Terrible comme la tempête. Hache de Gimli. Crebin du pays de Dune. Bourrasque glorieuse. Soldat de Lost Gris. Guide de Galadrim. Ralliement à fort le corps, blessure du couteau de Morgul, capitaine Dunbar, Bilbo cambrioleur à la retraite, saute-feu, gobelin, Théoden, roi du Rouen, allez, hop, mine de la Moria, ah bah écoutez, je prends, c'est un terrain, mine de la Moria, bon, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, un terrain marais normal, bon, j'en ai eu quand même 2 textless, voilà. Et le jeton nourriture. Donc les amis, dans ces boosters de draft, eh ben, écoutez, j'ai quand même eu cette carte inédite. Mais il me semble que c'est une toutes les 4 boîtes de 36 boosters. C'est-à-dire sur les 144 boosters, c'est une tous les 144 boosters. Une version de Mythic Foil, ben, j'en ai eu. J'ai eu en plus, n'est pas n'importe laquelle. J'aurais pu avoir une à 3 euros. Non, c'est Sauron le Seigneur Ténébreux. Je vais vous faire la vidéo d'analyse de ça, je vais tout vous dire. J'ai eu Mine de la Moria, l'Appel de l'Anneau et Faramir, Prince d'Ithilien. Et puis voilà, donc... C'était un petit coffret, les amis, qui contient 3 boosters de draft et que j'ai pu me procurer à 16 euros, tout simplement. Donc, pas très cher. Donc, c'est un produit qui est un peu plus accessible, je dirais, à tout le monde et qui permet d'avoir des cartes du Seigneur des Anneaux. Donc, c'est plutôt sympa. Par contre, les cartes extra, il n'y en a qu'une hein, sur les 3 boosters.
Et puis, donc c'est quand même à souligner, mais voilà, les amis, ça, j'ai eu ça, c'est un coup de bol! C'est pas dit que vous en ayez des super cartes, hein, c'est pas dit. Bon, là, je vais vous faire une vidéo d'analyse de stats quand même de cette ouverture, ça permettra d'avoir une idée sur le rapport. Et puis, bon, bah écoutez, voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo!